tout le monde, c'est Angel. Bienvenue sur Chanel Santé Pamna. Ou même qui nous voit abonner, nous souhaitons bienvenue. Ou même tout qui est ancien sur Chanel là, nous disons merci parce que vous continuez à prendre le love là. Nous connaissons Santé Pamna, Lila, pour les capables de protéger, rubrique de santé, des conseils qui sont bons pour nous-mêmes, mesdames, pour nous être en bonne santé. Nous conseillons ce service que nous apprenons Santé Pamna. Abonnez avec Chanel là, partagez vidéo yo, like, commentez. Et comment est-ce qu'il sujet qui va débattre connia là? Invitez amis yo, famille yo, courez monter sur Chanel là, partagez li et puis al garder ensemble avec nous. Qui sujet docteur a pral débattre. OK, on aller dans vidéo là pour nous ouais. Tout ça n'a rien. On passe à téléphone examen là. Quand tu cousin moi, il a 5 ans mariage là, il faut que je me garde mes enceintes. Et il dit me faire examen. Il dit me faire examen, tout examen ok, tout bagarre du corps, mais pourquoi je me garde mes enceintes? Ma pensée est donc là pour me connaître. Qui s'est causé ça, mec? Parce que je ne sais pas ça, non? Il y a plusieurs causes qui ont empêché une femme enceinte. D'accord, il y a plusieurs bagages. Mais parmi eux, nous devons considérer, si nous avons considéré quatre là-dedans, qui plus, comme nous avons le plus courant, et c'est eux-mêmes, mesdames, toujours confrontés et qui causent tout. Quand une femme a des difficultés pour tomber enceinte, est-ce que vous comprenez ça? Oui, donc la mère, est-ce que vous avez des quatre bagages pour empêcher une femme enceinte? Ah, mais ma problème, pas un problème, ma PC est douillot. Que dans quatre bagages qui empêchent une femme enceinte, premièrement, c'est nous gagner infection. Donc, infection, c'est un bagage qui empêche une femme enceinte. Bien que mesdames ne pas mettre accent sur ça, il n'y a pas de gens qui ne prêtent pas attention à ça. Pourtant, on a une infection qui est chronique. Vous avez un donc, tu as cause de filles qui ne doivent pas tomber enceinte. Et puis, il est fini. Même infection, ça tout, ça va dépendre des origines, il est capable de cause et trop fille à boucher. Pour nous, par exemple, il y a une infection à chlamydia, qui n'est pas traitée, il est capable de boucher trop fille. Ah, ok. Est-ce que vous comprenez bien ça? Je comprends, donc là, je comprends. Donc, ça veut dire que le premier bagarre, c'est infection. Infection qui empêche une femme de tomber enceinte. Donc, deuxième bagarre qui est capable de causer une femme enceinte, c'est ça, nous, elle est insulino-résistant. Donc, plus fort femme qui vivent dans le monde là, qui dans l'âge pour créer, ils ont gagné un problème ça qui c'est insulino-résistant. Ah, ok, donc là, qui est insulino-résistant? Ah, ok, insulino-résistant qui ça dit, c'est lorsque une fille a gagné résistance à l'insuline et ça vient conduire tout avec sa nouvelle ovaire polykystique là. Donc, depuis fille a gagné, il vient dans ce stade ça encore, c'est une autre difficulté encore pour tomber enceinte. Ça me donne là. Donc, depuis fille a gagné un supplé d'insuline,
et bien la vin cause que ouvert ou pas fonctionner bien et LH la vin augmenter et au-delà de la normale la vin augmenter plus que FSH là, ça veut dire qu'il y a vin une augmentation de LH et une diminution de FSH. Donc à ce moment-là il vin gen ça nous les mon vin gen ouvert polycystique et mon vin gen hyperinsulinémie et mon vin gen hyperendogénémie. Donc ça a encore la difficile pour fille tomber enceinte. Ah ok, donc là en tout cas bien content ça. Et ça fait ouais. Me dit ça parce que il dit que ça fait tout examen net. Me dit mais s'il fait tout examen et si vous ouais ça rien. Ça va expliquer la docteur mais ça organe. Ah bien ok, d'accord. Ja ok Fanny. Ça vous ça ok. Ja. Oui, c'est ça exactement ça. OK, moi je comprends. Troisième bagage qui peut empêcher une fille enceinte. Et c'est contraceptif oral. Contraceptif oral, c'est même qui toujours baïe fille à difficulté encore pour tomber enceinte. Ça nous les planine. Ça veut dire que lorsque fille nous connaît un peu les jeunes mesdames, surtout si là où qui beaucoup fait petite, il beaucoup gain projet pour ça, donc il prend planine. Et au dimanche tout le monde dans la fin font petit monde et puis il dit ah bon. Il dit ah bon et moi bah yo dit pour moi donc beaucoup qu'à faire l'autre bam prend planning et pendant mon prend planning non et bien il fait 1 an 2 ans 3 ans 4 ans gain mon qui compte prend planning 5 10 ans tout bien que gain plusieurs types de planning bon son l'autre les tout mon doit parler de ça tout fané est-ce que vous comprenez? OK donc là rien problème ja un peu OK et donc ça veut dire que planning non encore son l'autre cause encore qui ça fait ça lorsque mon prend planning pour un peu le temps planning non. Je pense que ça dépend de parler de une vidéo de ça sur YouTube qui dit. Mais qui est fait secondaire planning by? Planning capable de faire un peu de fait secondaire. Spécialement, il est capable de faire une graisse cervicale fille. Donc, on a une graisse cervicale là, j'ai un gros rôle. J'ai un gros rôle important. Donc, graisse cervicale là, encore lui-même, et planning fait une graisse cervicale là épais. Donc, lorsque il dit ça, depuis que graisse cervicale est épais, on a une difficulté pour tomber enceinte. Et l'autre bagage encore planning n'a fait encore planning n'a venu mettre une discommunication entre et les hormones. Donc pas oublier nous connaît trois entités qui c'est les ovaires et hypophyse, hypothalamus. Donc ils ont même déconseillé d'avant ensemble. Donc lorsque on prend planning et bien ils mettent une discommunication entre trois entités ça. Donc on va se comprendre. Ça c'est troisième cause qui est capable d'empêcher une femme de tomber enceinte. Ah, ok. Ok, quatrième bagage encore quand empêcher une fille enceinte, alors ça n'est pas nommé dame, non? C'est pour monsieur ou qu'on y a là, c'est ça nous relie, insuffisance et des spermatozoïdes là quand monsieur. Ou du moins ça nous relie, sperme faible. Pour une fille enceinte, il faut que son garçon qui prend enceinte libre, il y a une relation. Eh bien, garçon, en tout cas, il y a une relation avec fille, il y a une quantité de spermatozoïdes pour le bail. Donc s'il pas balé si on a une insuffisance de spermatozoïdes, ça encore capable une autre cause encore qui capable faire fille pas qu'à enceinte. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs causes mais quatre causes ça est toujours à la base infection vaginale. Alors infection en tout lila quand ni pour monsieur ni pour fille. Par exemple un garçon qui a une insuffisance de spermatozoïdes, il y a une infection capable cause ça, il y a une infection à chlamydia capable cause garçon qui a une insuffisance de spermatozoïdes. Ça veut dire qu'il y a un microbe capable manger spermatozoïdes. Une infection qui connaît la caille monsieur, est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que l'infection c'est première cause, si nous avons un résumé pour vous, infection c'est première cause, et ensuite nous avons gagné insulino-résistant qui c'est deuxième cause, et nous avons gagné troisième cause là, qui c'est planine, ça nous est les contraceptifs oraux, et ensuite quatrième cause là c'est lorsque Marie nous avons gagné insuffisance en spermatozoïdes. Donc si nous avons une infection qui connaît qui empêche le vacances, est-ce qu'il va une solution pour ça? Oui, tout ça me dit là, il y a une solution pour vous. Depuis que nous avons checké la santé, nous parlons de ça, depuis que nous avons checké, nous avons une solution pour tout le bagage. Infection, et puis problème, nous avons un plan, et nous avons géré tout le bagage pour nous. Ah, ok, d'accord. Et mais d'abord, t'es content d'entendre lui là. Bon, son prochaine fois n'a pas encore. Bon, trop bien. D'accord, donc là, ciao. Ciao, famille, ciao. Mais ok.
Ok, moi j'essaie de poser une main là pour me dire ça parce que. Tiens, j'ai dit de faire tout examen ça, il faut que je me cancer, tout je mène. Parce que moi, j'ai un problème ça quand je suis dans cette langue. Je vais laisser passer la carrière pour me dire ça, pour me faire abonner à la santé. Ah, ça, c'est un problème.